mettre en avant. Maintenant, en mettant la belle bleue, là. La belle bleue! Hein? Non, non, vous regardez ce qu'il y a dedans. Il y en a un extra. Mon Dieu, les boules de Noël, c'est... Oh, moi, ça, je m'en rappelle pas de ça, ça. Ben, ça pas, vous aviez... Oh, ça, c'est du thé. Oh, mon Dieu. Oh, ben, ça, c'est jeune, ça. Moi, j'ai signé, hein, c'était ta langue. J'ai mis ta signature. La papalmane de ma grand-mère. C'est pour... c'est ce que tu la canson, c'est quoi ça? Tu vois, du gros de... Je connais ça, mais... Oh, ça guérit les... Attends une minute, là. Pour quel côté faut regarder? J'ai juste que des vieilles chandelles. La boule, ben là, la boule, elle est actuelle. Les épingles à linge, ça, c'est 1900, encore bon. Mais regarde, toi, tu connais ça, c'est 1900. Oh, les photos de ma mère, ça, c'est bon, ça. La photo de famille. Les photos de ménage, les vieilles, c'est ça. Ça doit être des photos de ménage en plein, ça. Regarde, on va à black. Moi, je peux-tu regarder un autre bois? Je cherche mon vieux tournevis. Moi, je ne m'en rappelle pas. Oui, 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 ça, c'est ça. Le blaireau, le blaireau. Le blaireau, le blaireau. Ah, ben, quand on sent le reçu de ma soeur, qui est ma soeur m'a envoyé quelque chose. Je pensais que la photo était en métal. Il y a plus vieux que ça encore. Hein. C'est quoi ça? Regarde, moi j'ai dit. Mais ils sont beaux, ils ont tout un chapeau. Ils ont tout un chapeau. Rose, c'est quoi ça? Ça? Ben, sans lait, là, ça doit être d'huile de, je sais pas, moi. Je ne sais plus, mais je sais pas à quoi ça sert. Du vieux qui texte. Ça, c'est pas une lettre d'amour, toujours, j'ai écrit. Oh, bon, tiens, le blanc de métal. On va démarrer avec vous autres. Oh, les images de le petit cadre béni. C'est le temps que vous décidiez. C'est incroyable. C'est bon, ça, guérison de la timidité. Où je peux prendre ça? C'est un petit peu où? Hein? Il y a un livre qui annonce. Ça aussi, tu as fait le moulin en poudre. C'est juste un cadre. Bon, d'après moi, oui. Un seul niveau. 1964, c'est pas vieux, hein? C'est pas vieux, ça, je ne sais pas. Ben, c'est pas vieux, là. C'est là, j'ai commencé à travailler en 64. Avez-vous vu combien vendaient les maisons en 1964? J'ai pas regardé, là, parce que j'ai pas mis mes lunettes. Ah, ils doivent avoir, ils vendaient pas cher. J'ai pas vu, là, j'ai regardé. Je sais pas. Silence. Ça, c'est-tu des maisons ou... Non. Non. Ah, ben, peut-être là. Ça, c'est déjà fait. Ah, non. Ça, c'est madame, à votre voisine de gauche. Ah, et un auto est à combien? Elle avait 1967 à un Rambler. Oui. À la bobine. C'est comme il n'y a pas de prix, je pense qu'il y a changé de prix. La maison est de l'autre côté. Ah! À la prise de Jean-Pierre. Sélection de Jean-Visu. Mais bon. De Visu. Ça, c'est assez récent. Foyer Jeanne, le collier de Jeanne. Foyer Zerud n'a pas d'histoire, c'est pas vrai, ça. En 1995. C'est pas pire. En quelle année, ça? Tu vas dire de quoi? Ça, c'est un nom allemand. Ben non! Oui, mais dans quelle année? 66. 66. Hey, c'est pas pire, ça. C'est vrai que c'est peut-être pas cher. Regarde, ça peut être maison. Mais l'argent, dans ce temps-là, t'avais comment? T'avais pas gros par semaine. Regarde, lui, il y a un nom allemand. J'ai montré qu'il faut nous dire son grand-père. Non, mais je connais pas. Quoi ça? C'est quoi les chignons? Qu'est-ce qu'il faisait d'eau avec ça? Okay. Ils vendent des demi-perruques, là, regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à commencer à parler? C'est vrai, je pensais que c'était pour le bon temps. C'est merveilleux. Ben ça, ça me rappelle ma grande chérie. Ouais. Tiens, poulailler, là, ou un cochonnerie. Des cochons. Ah, cochonneries. On prend des choses dans une boîte pour aller. On veut-tu passer les dames. Ça, là, c'est pour une machine à coudre. Ça, à l'école, on les ramassait, les feuilles, hein, pour les travaux de science. On mettait les feuilles d'érable, les feuilles d'orme, les feuilles, on les collait. Oui, oui. On faisait ça pour les sciences. Mais ça, non, mais moi, c'est avec les sœurs qu'on faisait tout l'affaire. Moi, ici, tu collectionnais les teignes. 5 cents. 3 cents. De quoi ça? Des teignes. Ça a l'air de... C'est dans une pièce.
Ah, oh, mon Dieu, il y a des vieux teintes là-dedans. Là. Bien. Ben, regarde, il faut faire sa commande en livre, sans ouais. Cours comme ça. Alors, on viendrait si vous n'avez pas donné les directives. Oui, moi j'ai quelques petites instructions qui font en sorte que ça va vraiment mieux, puis à la fin, dans le fond, on va faire un œuvre artistique avec tout ça. Donc, c'est bon d'avoir du bon son, des belles images. Mais avoir du bon son, mais idéalement, c'est si vous ne pouvez pas parler sur quelqu'un qui parle ou. Quand quelqu'un parle, de ne pas parler ensemble pendant ce temps-là, fait que d'attendre, disons, tour de parole, puis je pense que ça va mieux aussi, comme ça on peut se concentrer sur le sujet de chacun. Puis essayer de ne pas trop taper sur la table, brasser les choses pendant que les autres parlent aussi, parce qu'on entend tout, on capte tout, il y a un petit micro qui est juste là, mais sinon juste à parler normalement, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer à parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souvenir à raconter? Ça valait des morceaux de moulin à cordonnier. Mon père était cordonnier. Votre père était cordonnier? Si je ne voulais pas parler. Je le savais. Parlez-moi de ça. Il a été boulanger, il a été cordonnier, il a fait tous les métiers. Ah oui? En dernier, il a travaillé à Great Lake, pas à Great Lake, au bateau à Montréal. Comment tu parles? Vécu. Puis vous, vous étiez, quand il était cordonnier, vous viviez. Oh, j'étais jeune. Je me rappelle que mon frère, du petit vieux point, il prenait son petit tabouret et il rentrait des clous. Boum, 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 boum. J'étais tout plein de clous. Mon père, il a souffert. Il a tout fait besoin des clous. Ben, il allait chercher, il les dressait, puis il s'en servait. Mm-hmm. S'il vous plaît, quand les autres parlent, pour brasser des choses, ça va aider. Sinon, on va perdre toute la belle parole, en fait. Donc, on est là pour la recueillir. Au suivant. Au suivant. Puis, si vous voulez vous nommer aussi. Ah oui, c'est vrai, je vais recommencer par ça. Chaque personne, vous vous nommez, puis vous faites une petite présentation où vous êtes né, ce que vous avez fait dans la vie. Mais là, il a commencé avec moi, là. Oui, mais on recoupe, vous allez dire, ça fait quoi? On remonte tout différemment. Comme ça, oui, s'il vous plaît. Chevet Lonnière, née à Saint-Paulin, dans le comté de Masquinongé. Merci. Monique Fizet, née à Lanoraie. Merci. Réal Chevet, née à Berthierville. Si vous voulez attendre un petit peu avant de rentrer en chat, juste pour pouvoir. Bien sûr, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon. On peut y aller, hein? Réal Laporte, née à Berthierville. Appelez-vous. Marie-Berthe Guilbeault, je suis née à Saint-Norbert. Oui. Rose Desrosiers, née à Saint-Ambroise-de-Kildare, pas loin de Joliette. Joliette Gagnon. Moi, je suis le monde à Saint-Justin, dans le côté de Masquinongé. En 1930, on était du monde qui était pauvre. Les. Mais on est aussi vécu pareil. J'ai travaillé avec des matchs. J'ai travaillé à l'imprimerie, à l'abattoir de poulet. J'avais une manufacture de couture chez nous. Puis là, à 70 ans, j'ai lâché. Je me suis compté un peu. Pas tellement, parce qu'on n'avait pas d'argent dans ce temps-là. Fait que là, on était un peu mieux parce qu'on a nos passions. Quand on a nos passions, on sort, on les dépense. Je m'appelle Muriel Pufaud, je suis venue au monde à Berthier. Et pour faire une chose qui n'est pas pareille comme les autres, moi, mon père, c'est un Allemand, mais il a marié une Canadienne française. Elle, c'est une Latou. Mais mon père, c'est un Allemand, mais il a été élevé la plupart du temps à Pembroke, Ontario. Quand il est arrivé ici à Berthier, il avait à peu près 20 ans, 19-20 ans. Il ne parlait pas un mot français. Il a appris, il parlait anglais puis il parlait allemand. Il a appris à parler français avec nous autres quand on était petits. On est 10 enfants chez nous. On sera 13. Ma mère, elle a perdu un couple de jumeaux puis un autre seul. Fait qu'on est 10 vivants. Mon père est décédé. Ça fait 32 ans. Monsieur Chevrette, vous aviez quelque chose à rajouter sur le. Non, c'est parce que je voulais demander à madame où son père était cordonnier. À Lanoraie. OK. Parce que je pensais que c'était ici. Ça fait plusieurs années, ça fait déjà 25-30 ans qu'il est décédé. Moi, j'étais la plus jeune des filles, puis il y avait 5 garçons en arrière.
Moi, je dis où ça joue d'un clou. Ben, dans ce salon, on était tous pauvres, hein? Ben oui. On était tous pauvres dans ce salon, hein? Ouais. Est-ce que vous viviez sur une ferme? Pardon? Est-ce que vous viviez sur une ferme? Non. Vous viviez à Berthier? Non, oui. Dans les étangs, c'est quoi d'aller? OK. Saint-Justin, toi? C'est ça, je me suis mariée en 49. J'ai eu deux enfants. Mes enfants, ils ont eu des enfants. Là, je suis mariée à grand-mère de trois. Bravo. Là, la histoire de la vie est belle, la plus belle que t'as. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler de les souvenirs qui sont remontés en fouillant dans la boîte? Écoute, moi, je vais commencer avec ça. Ben, c'est fou, hein, avec ça. Ben, c'est un journal, je ne sais pas lequel. Alors, le Montréal Matin du mercredi 2 novembre 1966. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il est question des 20 ans de CKVL. Puis, ça ne m'a pas fait penser à ça du tout, mais ça m'a un peu un souvenir qui m'a toujours été. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont vécu aussi. Moi, j'allais à l'école Saint-François, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de Berthier. Puis j'habitais juste presque à côté. Puis c'est fou, hein, la radio, pour moi, c'est un souvenir important. Parce que dans le temps, quand j'étais petit gars, on écoutait plus la radio que la télé, évidemment. Puis, c'est justement de ça dont je voulais parler. Parce que je me rappelle quand j'arrivais de l'école, à tous les midis, la radio était allumée. Et puis c'était toujours les joyeux troubadours qui m'accueillaient. Ouais. Et puis ça, c'est fou, hein? C'est une bagatelle, dans le fond. Mais pour moi, ça a toujours été gravé là. Puis même aujourd'hui, si je savais chanter, je pense que je serais encore capable de chanter leur fameuse chanson. Tu es capable de chanter? Il entre toute la semaine, ben, les joyeux troubadours. Parce que c'est fou, hein? Puis je sais que je ne suis pas le seul, c'est pas original ce que je raconte là. Mais je pense que dans beaucoup de Québécois là, qui sont un peu plus vieux, pas nécessairement beaucoup plus vieux, mais un peu plus vieux, là, que je pense que c'est gravé dans nos mémoires. Je pense que ça fait partie de la mémoire collective des Québécois. Je pense que oui. Parce qu'il y avait quelque chose là-dedans auquel on s'identifiait, puis. C'était plus une simple émission de variété, on aurait dit. C'était comme ces gens-là, je me souviens qu'il y avait une Madame Caron, Estelle, je crois. Il y avait Gérard Paradis, Jean-Maurice Bailly, les autres, j'ai oublié. Là. C'était comme si ces gens-là étaient les porte-parole des Québécois. Okay. Alors pour moi là, c'est mon enfance, mais c'est plus que ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des souvenirs attachés à la radio? Ben, il y a le petit, il y avait Zézette, quand il était, là, qui jouait des tours à son père, là, à un moment donné, il faisait souvent depuis l'escalier, là, c'était quand? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Il était bien talent. C'est celui-là, je ne suis pas trop sûr. Chapelet en famille? Oh, Chapelet, my God! Il fallait rester à genoux, puis. Nous autres, le Chapelet, puis les actes de foi, puis les actes, tous les actes, on te dit que c'est chez nous, ça priait, hein? On était 12, puis c'est 14 probablement, puis c'est-à-dire que c'est la famille unie, la famille qui prie. C'était le chapelet tous les soirs. Mon père faisait pas de travail, c'était à genoux. Puis c'était fatigué, ça durait plus que 15 minutes. 15 minutes à radio, mais 15 minutes après. Vous y allez jouer à cachette après. Après, maintenant. Pendant 7 heures, après tu en as. Justement, parlant de jeu, quel jeu vous jouiez? Je jouais à cachette, surtout. Surtout? Oui. Au petit pays, là. Au pays. Au pays. Les boulots, là, qu'on avait. Oui, les boulots. Avec une balle. C'est de bois. Encore de danser. Et les garçons, à quoi vous jouiez? À cachette. Tout se passait là. On a appris des affaires à cachette. Comme quoi? Quand un petit gars, t'as pas comme une petite fille. Oh! À cachette. Je t'ai mis ta caché à mauvaise place. Moi, mon père avait sorti un vieux réfrigérateur, il avait mis ça dans l'hangar. Puis là, il jouait à cachette. Fait que mon frère avait fermé la porte du frigidaire, puis il a resté une couple d'heures là. Ça, on cherchait plus, nous autres, on avait fini.
Puis ma lune, depuis une vieille sœur, elle dit, mes sœurs, mais j'avais un. Ouais. Et puis j'ai commencé à me dire, ce qui est Pierre, ce qui est Pierre. Puis là, Pierre, il avait même plus de force pour cogner. Ils l'ont trouvé à terre parce qu'il chouquait. C'est pour ça qu'ils disent que tu dois attendre les portes quand tu as un réfrigérateur qui ne marche plus. Toi, il y avait des grands champs de. Du blé, de la voix, je sais pas quoi, là. Puis on, c'était haut, ça, là. Ouais. Puis on se faisait, on s'en allait dans le plein milieu, là, puis on se faisait des appartements. C'était pas le fun, par exemple, pour papa. Parce qu'on était tout écrasé une fois, puis on disait ça, c'est la cuisine, ça, c'est ça. Puis on se cachait, puis on jouait là-dedans. Ah, c'était ça, Sainte-Terre. Oui, c'était Sainte-Terre, ouais, Saint-Ambroise, et ça. On avait de quoi bouffer, parce qu'il y a 12 enfants, tu sais, ça coûte cher. Monsieur Laporte, vous avez quelque chose à ouais, ben, pour nous dire, on jouait à. En dehors de la cachette, là, on jouait aux Indiens, aux Cowboys. Oh oui! Là, dans mon coin, là, ceux qui connaissent, elle connaît les Rochelous, puis on était 30, 40, des jeunes. Tu sais, aujourd'hui, on a perdu ça, là, mais à mon époque, c'était plein à Berthier, là, tu te souviens? Oui, c'était un peu pour moi. Fait que là, il y avait les Destrampes, ceux qui connaissent Gilles, puis oui. Gérald Destrampes, les deux frères Destrampes. Puis Gilles était, je vais le dire aujourd'hui, parce qu'il était initial. Fait que. Moi et mon frère, on faisait, je ne sais plus, les cow-boys ou les Indiens. Ça fait que les deux frères d'Estrande nous prennent, nous font prisonniers, puis là, ils nous attachent. Mais au lieu de nous attacher, tu sais, pour le fun, ils nous attachent comme il faut. Ça fait que là, midi arrive, moi et mon frère dit, midi, il faudrait bien rentrer manger, parce que mon père travaillait à des matchs, puis quand il finissait de manger, il arrivait, puis il y avait une demi-heure à manger, puis il fallait que tout le monde soit là, puis... Fait que là, pas capable de se détacher, pris dans l'écurie, pas capable, ils nous avaient attachés... Fait que là, mon père s'impatiente, il se met à la recherche de ses deux fils, puis là, il nous trouve dans l'écurie, tu gilles, puis nous autres, t'es bien content, on avait notre père qui venait nous délivrer, il nous sert qu'une volée. J'ai dit, j'en ai voulu à Gilles Destrampe des années de temps, j'ai dit, fais donc, Gilles était bien content parce que mon père, il était tellement insulté que ses deux fils, c'est pas là. Mais un petit peu dans le même esprit, c'est que nous, Réal va s'en souvenir aussi, ceux qui vivaient à Berthier, là, moi, le petit coin où j'habitais, il y avait deux grands champs qui appartenaient à la metteuse. Et puis, étant donné qu'on passait nos fins de semaine au cinéma, aller voir des films d'Indiens, des films de guerre, on voit tout le temps ça. Là. Et puis, à un moment donné, on avait fait un coup un peu semblable à celui que tu t'étais fait faire. Là. Il y avait un gars qui s'appelait, je crois que c'est lui, Jandon. Et puis, il y avait un gars qui passait ses étés à Berthier, qui venait de Montréal, qui s'appelait Harry Papa Michael. Puis, il était tanné, pas à peu près. Et puis, dans les champs de la metteuse, il y avait des trucs en ciment, dans lesquels passaient des tuyaux, qui permettaient de rejeter tous les résidus de l'alcool. La dèche. Quand ça passait dans Berthier, ça sentait l'alcool pendant une couple de jours. Tout le monde était chaud. Et puis, en jouant au cowboy comme ça, Yves Jandot avait été fait prisonnier. Et Harry Papa Michael avait eu une idée de génie. On l'avait attaché par les poignets. Puis on l'avait descendu dans les trucs. Puis on l'avait attaché là. On l'a oublié. C'est un gars de Montréal. Non, c'est là, c'était Yves Jandot qui était attaché. Alors le soir, M. Jandot savait que son fils était venu jouer avec nous autres. Puis il nous demande, il est où, Yves? Je sais pas, il ne peut pas retourner chez vous? Non. Là, il a fait venir la police, le gars, on ne fait plus. Oh. Et puis, là, tout le monde fait. Puis nous autres, la gang de petits gars, on avait oublié qu'il était là. Toi, vous étiez venu pour avec qui il était sorti? Ben oui. Nous, on était sûrs qu'il avait grimpé. Puis... Sauf qu'à un moment donné, il s'est mis à hurler. Là, ils l'ont sorti. Il était pas beau, puis il sentait pas bon. Il y avait de la drèche dans notre trou, là. C'était plein. En fait, on l'avait descendu assez bas. Il ne pouvait pas s'asseoir. D'autres, on ne savait pas, mais on l'avait descendu assez bas. Il était dans la drèche. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui peut expliquer c'est quoi la drèche? La drèche, c'est le résidu de quand ils font la fermentation pour faire l'alcool. C'est du blé ou de l'orge. Puis ils laissent fermenter ça. Puis c'est ça qui fait l'alcool. Mais quand ils ont terminé, Il mettait de côté, puis les cultivateurs de Berthier achetaient ça, parce que c'est une nourriture très,
très nutritive pour les animaux. Puis surtout, il semble-t-il que les vaches aimaient ça. Comme Réal dit, il y avait une odeur caractéristique. La journée de la drèche, là, tout le monde savait à Bercier que c'était là parce que l'odeur se répandait partout dans la... Ça sentait l'alcool, là. Ça sentait l'alcool. Puis moi, j'aimais ces journées-là parce que mon grand-père, justement, qui avait une femme à la Bayonne, descendait pour venir m'en chercher. Puis je le savais, mais il faisait toujours la même chose, il partait de la même chose. Il venait chez moi. Puis là, ma mère faisait une petite valise, puis je m'en allais passer 3-4 jours chez mon grand-père à Bayonne. Donc, la drèche, c'était un beau souvenir. Ah, moi, c'est un excellent souvenir. Puis là, on montait à Bayonne, puis avant la drèche, on allait, ça sentait l'alcool dans les années. Qu'est-ce que c'est? Non, mais les gens... C'est comme une soupe. C'était liquide, c'était liquide, mais... En fait, je pense que le plus proche, on pourrait dire, là, du gruau. Du gruau. Ça ressemblait à un brouet, là, c'était. Ouais. J'arrivais dans la ferme, puis ils mettaient ça dans les... Les animaux, dans les mangeoires. Des mangeoires, tout le monde nous le sait. Les vaches arrivaient, puis tout, tout, tout. Ça vient des vaches alcooliques. Des vaches joyeuses. Des vaches joyeuses. Mais donnez du monde. Ben, comprends, t'es heureuse. Mais les gens qui étaient enfermés, là, ils devaient sentir l'alcool. Ah, ils sentaient pas mal l'alcool quand on l'a sorti. Il n'y avait pas un risque d'intoxication. Oui. Ah, peut-être, mais nous autres, on n'avait pas pensé à ça. On pense pas à ça. Oh, il n'est jamais revenu normal. On dit non. Oui, je ne sais pas, vous avez parlé de cinéma. Oui. Oui. Alors, vous alliez au cinéma. Oui. Trois films. Il y avait un cinéma à Berthier. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Le Théâtre Royal et le Théâtre Métro. Le cinéma Royal est situé là où vous le centre de la. Ça, c'est le Théâtre Métro. Et puis, juste au coin de la rue, sur le Montcalm et de Sainte-Foy, là. C'est Métro. Ça, c'était le Théâtre Métro qui était là. Puis Royal, il était juste à, où ce que c'est qu'est, dans le centre-ville, où ce que c'est qui est Rossi, puis tout ça, là. Il était là, lui. Puis il y avait des films tous les soirs, là? À tous les soirs. Et puis, c'est quoi que ça puisse paraître. Moi, j'habitais plus près du Métro que du Royal. Et puis, même les soirs de la semaine, là, c'était presque complet. Dans les deux cinémas. Ça, c'est avant la télévision? Non. Non. C'est avant la télévision. Oui, mais ça continue après. Oui, ça continue après, mais avant la télévision. OK. Mais le Théâtre Métro, moi, j'ai été chanté, là, j'avais 17 ans. Et j'en ai 75. Ça vous donne une idée à peu près, là, dans les temps, là. Il n'y avait pas juste du cinéma, il y avait non, aussi... Non, il y avait des choses d'amateur, il y avait tout ça d'affaires. Mais je vais vous amener plus loin. Le Théâtre Métro. C'est là que j'ai chanté, j'ai des portraits de tout ça. Moi, je suis allé au cinéma à Berthier avant le métro et avant le Royal. En haut, il y avait, sur la place du marché, là, il y avait un marché. Oui, oui, il y avait un marché. Puis, oui. Au deuxième étage, il y a eu, je me souviens, puis je devais avoir 3 ou 4 ans, là, mon père, la première projection cinématographique que j'ai vue, c'est là. Je me souviens pas si c'était. Je sais qu'il y avait M. Rocret qui s'occupait de ça. Ça. Mais le cinéma était au deuxième étage du marché qui a disparu aujourd'hui, à la place du marché. Un marché fermier. Oui. Oui, c'est une immense bâtisse de à bois. La place du marché. Qui a été spectaculaire quand elle a brûlé, d'ailleurs. Quand ça a brûlé, ça a été quelque chose, parce qu'il y avait en plus une manufacture de couture. Oui, c'est Simon Lemieux qui était là. J'ai travaillé pour lui juste après ça, excuse-moi. Puis en bas, c'était 17, 18 ans. En bas, c'était des étals de boucher. OK, dans ce qui avait été le cinéma, j'imagine. Oui, oui exact, oui. Par après. Puis en bas, c'était des étals de boucher. Oui. Qui est ouvert à la semaine? Ou... Non, le vendredi et le samedi. Oui, c'est ça. Et les magasins également, les marchands venaient. C'était une belle, moi je dirais, une belle époque, parce que tous les cultivateurs autour des îles, Saint-Barthélemy, ils apportaient des choses là. D'ailleurs, moi je travaillais pour quelqu'un de Saint-Cuthbert qui tenait un étal de boucherie, un M. Lambert, qui. Et il y avait une activité là, centrale incroyable, parce que là, tout ce qui dit marché, les gens, c'était réellement, je dirais moi, le cœur de la ville, de tout se passait là, les gens... Puis dans les gens qui n'ont pas été élevés à Berthier, est-ce que vous avez des souvenirs de marché? Ou... Mon père, moi, il était boucher, fait qu'il allait avec son camion, il allait vendre sa viande, une fin de semaine, puis il y avait plusieurs... petits camions, trailers, là, qui vendaient leur viande. Le marché, il était là. Puis comment ils gardaient sa viande fraîche dans le camion?
C'est, je pense qu'il y avait des blocs de glace. C'est des blocs de glace qu'il mettait, puis il le ramenait le matin. Mais je me rappelle, moi, chez nous, quand on était plus jeunes, on achetait des blocs de glace. C'est ça, oui, de glace. Puis, la glacière, hein. La glacière, là, c'est ça. Il y avait aussi dans la ville, il y avait des petites voiturettes de, qui installent à Montréal, là, des patates frites là, qui veulent installer. Là. Il y avait ça. Là, que... Ben oui, il y avait des patates frites au coin chez nous. Oh, oui, encore des petites choses. François Précourt était là. C'est qu'il a enlevé ça. Il était là longtemps. Ben oui, François Précourt, oui. Ben, il y en avait trois ou quatre. Maurice Plouffe, qui était sur le coin, juste en face du garage Rousseau, l'ancien garage Rousseau. Il y avait aussi, ça existe encore, mais ça a changé. Là, Patrice Massé. Oui. À part le cinéma, quelle activité culturelle il y avait dans la ville? On allait jouer au quai. On allait jouer au quai. Le tombeau, c'est quoi le tombeau? Mais ça me l'a rappelé tantôt, justement. La boîte à chansons. Oui. C'est la boîte à chansons de Bertie. Oui. Donc, la boîte à chansons des années 60, parce que les boîtes à chansons. Ça ouvert en 1963. Okay. Ça a duré une dizaine d'années, peu près. Ben, je suis bien placé pour en parler, j'étais un des propriétaires. Ah! Déjà à cet âge-là, vous étiez en train de... En fait, moi, quand le tombeau a ouvert, là, je vais avoir l'air quasiment prétentieux. Là. On avait été aidé par le notaire Savazin. Ah, je me rappelle. Qui nous avait conseillé, par nos parents, qui nous avaient aidé à former une compagnie. On avait une vraie compagnie, toute formée de mineurs. Parce qu'à l'époque, pour être majeur, il fallait avoir 21 ans. Et puis, moi, quand on a créé la compagnie, j'avais 14 ans. Et puis, le plus vieux de la gang, il avait 17 ans. Et moi, on m'avait nommé directeur artistique. Oh! Alors, qui étaient vos invités? Ah, mon Dieu, tous les gars de la chanson québécoise, Leclerc, Vigneault, Ferland, ils sont tous passés, là. Pauline Julien, c'est tous ces gens-là qu'on a engagés. D'ailleurs, à 14 ans, moi qui avais été nommé directeur artistique, le notaire Savazin nous signait des procurations pour qu'on puisse poser des gestes officiels. Il m'a mis dans un autobus un samedi matin pour Montréal, puis je me suis retrouvé dans le bureau de Guy Latravesse pour signer des contrats pour l'été suivant. Je me suis fait avoir. C'est bon. Je me suis fait avoir pas à peu près, mais en tout cas, on a eu des invités pendant tout l'été. On avait commencé avec... Le tout premier qui était venu, c'était Jean-Pierre Ferroy. Est-ce que vous aviez un permis d'alcool? Non. Parce que, étant donné qu'on était tous mineurs, on ne pouvait pas en avoir un. Deux, la majeure partie de notre clientèle était composée de mineurs, donc on n'avait pas pu les accueillir. Puis on arrivait déjà chaud. C'est ça. On arrivait chaud comme ça. C'était 21 ans aussi, hein? C'est 21 ans. Non, écoute, il y en avait. Non, mais il y en avait beaucoup là, qui arrivaient là. Qui en douce rentrait avec des choses dans les poches, puis on le savait, mais. Qui était membre avec toi, là, dans le fondateur, je parle? Ben, la gang, on était 10 gars. Ça va te les rappeler tout. Il y avait Jean-Charles Armstrong, il y avait Claude Dalcourt, Jean-Yves Dalcourt, Gilles Dalcourt, les trois frères. Il y avait Normand Destampe, il y avait Albert Laperde. Il y avait Jean-Guy Lacourcière, Richard Armstrong, Richard Lacourcière, puis moi. Ça, c'est pour les intellectuels, mais ceux qui voulaient danser, ils allaient où? À la salle paroissiale. Il y allait au Bertelet. Il y avait le Bertelet. Il y avait deux. On allait au Bertelet. Mes frères ont été waiters, là, au Bertelet. Moi, j'ai dansé. Non, c'était dans l'autre monde. Il y avait le monde, disons. Ils n'étaient pas intellectuels, mais le monde des boîtes à chansons, c'était le tombeau. Mais il y avait le monde, là. Puis le Bertelet, il faut le dire, il y avait des artistes populaires. Oui, Muriel Millard, ça allait l'eau, là. Là, il y avait des spectacles. C'était l'endroit, là, réellement. C'était la place. Ah, oui. Puis à côté de la voie ferrée. Oui, chez Vincent. C'est les deux places. C'est un peu plus rare. C'est que. À l'époque, là, il faut comprendre que les cultures étaient fermées. Je vous m'explique, là.
quelqu'un de Berthier, c'était quelqu'un de Berthier. Quelqu'un de Sarelle, c'était quelqu'un de Sarelle. Puis quelqu'un de Joliette, tu sais. Puis, donc, il y avait ces endroits-là. Disons que Rivard, c'était assez neutre. Mais tu allais, comme il y avait la traverse à Sarelle, aux îles, ceux qui ont connu, là, mm-hmm. chez Goulet. Là, évidemment, il y avait les gens des îles et les gens de Berthier. Ça finissait à peu près à chaque fois par... Non, mais c'était la culture du temps. La culture du temps. Ça espèce... finissait à chaque fois par... Par une bataille. Oh, une espèce autour de quelqu'un, ça, là. Puis, chez Vincent, c'est la même chose. Il y avait... C'est rare qu'il n'y avait pas chez Vincent un gars qui invitait un autre. Donc, ça faisait partie du folklore. Oh, oui. Sur tête bois. Là, tu voyais un plante qui se battait contre un... Là, tu vois gager, tu disais... C'était culturel, là. Il n'y avait pas de haine. Une semaine, on gagnait, l'autre semaine, c'était l'autre gagnait. Mais nous, on ne participait pas, mais on participait au spectacle. Moi, j'étais petit et peu heureux. Fait que je me cachais derrière les autres. Je disais, moi, je ne prends pas de plante. Il y avait un rond de course aussi à côté du Verre-Vallée. Ça, c'était couru aussi. Pour les chevaux? Oui. Oui, ben oui, mais Radomeneg, il y en avait des chevaux. C'est à côté de chez Rivard. Hey! Miradon Ménègue, moi, quand j'ai été opéré à Sorel pour l'appendicite, parce qu'il n'y avait pas à Louisville, j'avais 16 ans, je pense. Il m'a monté à Sorel avec son cheval, dans une grosse robe de carriole, puis toute la haute fit, là. La glace était pas balisée, puis j'ai été opéré à Sorel, moi. Il a traversé sa glace, puis elle n'était pas balisée, rien. Des avant la voie maritime, on pouvait le faire. Parce qu'il n'opérait pas à Louisville pour ça. J'avais 16 ans. Il traversait sur la glace. Oui. Effectivement, il y a un pont de glace. Là. Il y a une route de glace entre Sorel et les îles. Et Saint-Ignace. Oui. Ouais. C'était avant la voie maritime, à partir de la voie maritime. La glace n'était pas arrangée. Hein. Oui. Okay. Mais ça, l'hiver, c'était pas ouvert, le fleuve. Non. Non. Dans ce temps-là, c'était fermé. Fait qu'il passait sa glace avec sa voiture, là, puis ça. On est juste abrié avec des grosses robes de carriole, oui. Puis on a monté là. Il mettait des pièges chaudes. Ben oui, des affaires chaudes, des briques. C'est pas d'aujourd'hui, là. Moi, ma femme, je me souviens qu'il y avait sa grand-mère paternelle qui habitait à Sorel. Puis quand ils allaient au Bourg-de-Lin, elle et son frère, qui étaient les deux plus vieux de leur famille, ils traversaient en patin. Ouais, mon Dieu. Ils traversaient en patin, ils s'en allaient leur grand-mère pour le Bourg-de-Lin. Ah. Tu m'avais dit en ski, j'avais trouvé ça. Non, non, c'était en patin. Non, c'est parce qu'il y en a qui entretenaient dans le chemin. Oui. On n'est pas capable de faire ça dans le chemin du Nord, ça. Oh non, non. Dans le temps, il faisait. J'ai une autre question. Les gens d'aujourd'hui ont des idoles. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez des idoles? Oui, ouais, moi j'écoutais bien la télévision. Moi, mon acteur préféré, c'était Alain Ladd. Alain Ladd. Il n'était pas grand, lui. Il jouait tout le temps dans des westerns. Ah. On n'avait pas de télévision, on avait la radio, puis on avait un stade de dos. Ouais. On avait le chapelet du cardinal Léger. Il fallait se mettre à genoux, hein, parce que ça l'amène. Hein. C'était... Quand ça joue, parce que ça n'a pas été bien. On se mettait tout à jour, on disait les prières. À ce temps, c'est pas pareil, hein? Oh non! Les jeunes, ils savent pas les prières à ce temps. Non. Moi, j'écoutais, c'est sûr, des programmes de cowboy, parce qu'il y avait un frère avant puis un frère après. Fait que Roy Rogers, Rin Tintin, puis des affaires comme ça, là. Mais j'écoutais la famille Plouf aussi, que j'aimais comme tout le monde, j'écoutais ça, là. J'aimais bien ça. Mais des chanteurs, j'aimais bien Polenka, j'adorais Polenka, moi. C'était mon idole, je le dis encore. Il n'y a pas personne qui parle de Roger Miron? Ah, parce que tout le monde connaît la chanson. Hein? Ben oui. Ça, c'est un gars de Chelsea, hein? C'est pas loin de nous autres. Ah, ben oui. C'est son idole. Ah, c'était la copieuse du temps. Elle l'a assez fait jouer. Ben oui. Bon, les gars, c'est un qui a des idoles, vous? Des idoles. Ça doit être Brigitte. Marilyn. Non. Superman. Non. Il n'y avait pas des comiques, non? Elle nous a au Telvis. Ah, ben oui. Ah, mon Dieu. Telvis est encore. On se promenait tout, regarde d'ailleurs, j'ai encore mon collègue. Ah, tout la petite coque. On était tout orangé, on se mettait de la graisse dans les choux. On avait nos yeux. Du brillant.
Elvis, Bray Green. C'est pas le Jean-Claude. Moi, quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, ma mère, elle disait, garde la soeur avec Elvis. Parce qu'il est semblant. Ah. Il était toujours habillé comme Elvis. Ah, oui. Si Elvis avait un pantalon pâle, beige ou quelque chose de même, il avait une chemise noire. Mon mari était toujours habillé de même. Dans ce temps-là, je n'étais pas mariée, là, je sortais avec. Mais il était toujours habillé comme Elvis. Ma mère, elle l'avait appelé Elvis. Mais il s'appelait Fernand. Elle l'a marié. Elle a marié quasiment Elvis, mais c'est Fernand. Oui. Mais je veux compter avec une anecdote sur la télévision. Tu veux qu'on termine? Nous, on n'avait pas de télévision, disons madame. Puis, le mercredi, c'était la soirée de la soirée des bons vieux temps. La soirée de télévision. Puis, moi, je demeurais, pour ceux qui le savent, elle le sait, c'est la rue de Bienville. Puis il y avait le vendeur de meubles, c'est M. Laforêt, oui. qui demeurait là. Tout le monde, il n'y a personne qui avait la télévision dans le coin. Ça fait que M. Laforêt est agenci, il laissait dans sa vitrine. Oui. Ah, oui. La télévision marchait. Oui, que les gens amenaient leurs chaises, on partait à mon père, ma mère, on amenait toutes nos chaises, puis on s'assoyait devant chez Laforêt. Puis écoutait la télé. On écoutait la télé, mais on n'avait pas le son. Nous autres, on était à l'extérieur, on était tout à vitesse. C'est comme Victorio de Sicca, le poisson. On achetait des chips. Est-ce que vous aviez le son? Oui, nous, on n'avait pas le son, c'était à l'intérieur. Puis lui, il fermait son. On écoutait ça, on imaginait l'histoire. Mais c'était mieux qu'à Saint-Paulin, parce qu'à Saint-Paulin, nous autres, on allait s'asseoir sur le perron du monsieur qui vendait des téléviseurs. On s'installait là, mais il n'y avait pas de chaise. Il faut que ça soit chaise. Non, mais on les amenait aux chaises, nous. Mais nous autres, on ne s'en pas. C'est ça, on n'avait pas plus de son, nous autres, non. Mais personne ne parle de Séraphin, mais c'était quelque chose. Ah, ouais, ouais. Les plouf, c'est avant. Séraphin, là, tout le monde écoutait ça religieusement. Ben oui. Ça, les plouf sont allés. Les plouf, c'était avant. Séraphin, à la radio. À la radio. Oui. À la radio, oui. À la radio, oui. À la radio, là, quand t'as. Puis après, la télé. Après ça, la télé, ben oui. Oui, après, avant, Jean-Pierre Masson, il y avait un autre qui faisait Séraphin. C'est le vrai Séraphin. Le vrai Séraphin, mon père, il a vu. Hey, moi, j'ai encore les chaudrons que j'ai achetés chez J.A. Laforêt. La batterie cuisine. T'as bon? Hey, je l'ai encore, puis je ne suis pas capable de faire mon sucre à crème dans un autre chaudron. Mais c'est acheté une belle batterie cuisine d'Agostina, puis je fais mon sucre à crème dans mon chaudron de 52 ans. T'as acheté ça où? Chez J.A. Laforêt, 40$ la batterie complète. Ça aurait dû être cher. Hey, c'est pas d'aujourd'hui, là. Hey, c'est ça. Mais tu retournes pas le sucre. Ton sucre à crème ne colle pas. Non, il colle pas. Je ne sais pas, je l'ai toujours fait là-dedans. Il est béni. En tout cas, on peut témoigner qu'il est bon. Hein, il est bon hein, parce que vous en mangez souvent. Ouais. Mais tu retournes pas la télévision. T'as vu chez nous, un petit bout de rue, mon père avait été le premier à acheter un téléviseur. Et puis, comme le disait Réal, tantôt le mercredi soir, là, c'était comme. Il y avait les ploufs, la lutte et le hockey. Ah, c'est la lutte. Il y avait le hockey après la deuxième période, je pense, beaucoup de gens. Ouais, ouais, et toute la rue se ramassait chez nous le mercredi soir. Alors, le salon, là, qui était tout petit, était. Quand tu arrivais chez vous, tu devais sentir la boucane comme nous autres. Ah, ben oui. Là, vous avez vu comment ça fumait? les plus vieux, ça fumait la tour de l'île. Ça fumait. On sentait. Quand c'est qu'on fumait avec les autres. C'est un peu vrai. On avait l'air fumé. On commençait tôt, mettons. Puis si on parlait d'école. Moi, j'ai un bulletin ici, puis ça me rappelle les 11 ans que je suis passé à l'école de Joliette, en Mélifristel. Mais les journées, c'est pas mal pareil. Je trouvais que c'était un bon bulletin, mais. Dans le temps, là, ça coûtait, on payait 50 cents par mois. Quand tu as plusieurs enfants, ça coûtait plus cher. Pour avoir un beau bulletin. Non, pour payer. Tu payais, c'est ça, 50 cents par mois. Après ça, 50 cents pour l'addiction, 50 cents pour la musique. Donnez des jetons. Non, il fallait payer par mois pour toutes les matières spéciales. Pourquoi vous alliez payer? Nous autres, on ne payait pas ici, tu avais dit. Parce que j'étais à Joliette, moi, là. En 51, oui. Puis, dans cet endroit, ils ne payaient pas. Puis, l'an dernier, c'était 1$ par mois qu'on payait en plus des activités religieuses. Puis, c'est ça. Là, tu sais, aujourd'hui, on dit la gratuité. C'est du ton bulletin, ça, toi? Non, c'est le sien. Hein? Puis, le sien, ben moi, je commençais à travailler cette année quand elle a. À
Elle était-tu bonne, les gars? Elle était-tu bonne? Elle a commencé à... Okay. Ben c'est ça, on avait des lettres, là, A, B, tu sais, c'est bon, puis la ligne, il fallait être au-dessus de la ligne rouge. Moi, j'en ai conservé deux. J'ai un quatrième et j'ai un septième, mais c'était un bon, si vous le gardez, là, tout était bien clair, hein. Moi, là, souvent, c'était des religieuses, hein. Les ai tous. Ah oui? Ma maman avait tout gardé ça. Mais moi, je m'en rappelle de Marie, ma soeur Marie Azelius, Marguerite d'Autun, Mère Jean-Eudes. Ça, c'était toutes des sœurs qui m'ont fait l'école. Moi, j'ai des sœurs. Ah, les noms des sœurs, c'est bien. Ben, moi, sur chaque école, j'ai une anecdote un petit peu spéciale. Quand je me suis retrouvé en première année, j'étais supposé, parce que l'école primaire ben, et secondaire, c'était à l'école Saint-François, ici, ouais. Là, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de Berthier. Et puis, l'année où je suis arrivé en première année, il y avait trop de gars. Oui, les garçons. Alors, on a pu une dizaine, à peu près les 10 premiers, je ne me souviens pas exactement combien, mais les 10 premiers de la liste alphabétique, et ils nous ont envoyés au couvent. Le premier matin, les 10 gars, quand on s'est trouvés là, on était malheureux, mais pas à peu près. Parce que là, on se demandait ce qu'on faisait là. Après, ça s'est amélioré. Ben, ça s'est amélioré parce qu'il faut dire qu'on a eu la sœur qui nous a enseigné, la sœur Sainte-Pauline. Une femme extraordinaire. Je pensais que c'était eux avec les titres. Mais le problème, c'est que nous autres, les gars, parce qu'il y avait, je ne sais pas du nom de la supérieure, première chose qu'au café, on arrive là, déjà on se sentait mal à l'aise de se trouver dans un couvent. Elle nous dit, vous autres, les petits gars, il n'est pas question que vous jouiez avec les petites filles. Elle nous avait donné un petit coin grand comme ça, de cours de récréation. On ne pouvait pas jouer au ballon, on ne pouvait jouer à rien. On était comme enfermés là-dedans. Là. Mon Dieu, c'était... Ça faisait bizarre. Quand on est revenu à l'école Saint-François, la suivante, on était très contents. On voyait comment ton chum se sentait dans la fosse de Drèche. Ça fait semblant. Moi, j'aurais un témoignage après sur l'école. Tu sais, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur les religieux puis tout ce qui s'est passé. Ça. Mais les religieux, à l'époque, ce qu'on avait, là, moi, je veux témoigner ces gens-là, du dévouement qui ont donné là, à les loisirs. Nous, on passait nos journées, mais le soir, là, on se ramassait à l'école, il y avait des patinoires, on pouvait jouer au hockey, on pouvait jouer. Mais les frères donnaient, aujourd'hui, je le comprends, on prenait ça pour acquis, nous autres. Le frère, jusqu'à 11 heures du soir, là, il nous surveillait, puis il s'organisait. Tu passes sans doute, tu fais un... Mais il n'y avait pas d'aréna non plus. Il n'y avait pas d'aréna, mais tu fais pas. C'est bénévole, mais moi, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là donnaient... On ne prenait pas le cul, tu vois, le frère est là, le frère s'occupe de nous donner. Mais ils donnaient du temps énormément, puis la communauté en profitait, tu sais. On a un témoignage négatif souvent sur les religieux à cause des scandales. Il y a eu du bon, tu sais, ces gens-là, là. D'ailleurs, toi, je ne sais pas si ça te dit, le frère Pelletier, oui. Bon, je l'ai rencontré récemment parce qu'il y a eu un événement, puis là, je suis tombé sur lui. Tu sais, ça me rappelait ça, là, tout le temps que ces gens-là ont donné. Puis tu sais, c'est des gens, là, on voyait le frère Pelletier comme un adulte, mais dans le fond, c'était un gars qui avait 2-3 ans, puis nous autres, tu sais, il avait 18-19 ans, puis il était en charge d'une école, c'est... En tout cas, mon témoignage était... Tu savais ce que tu disais, ces gens-là étaient d'une disponibilité absolument incroyable. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, tu sais, il y avait un père qui s'appelle Père Max Duchamp. Moi, j'avais à lire, c'est à cause de lui. Là, il me prenait des livres, puis il me donnait des livres. Puis il me disait, regarde, tu liras ça, petit gars. Puis là, à l'époque, il y avait une grande... La religion était très... Il me donnait les trois mousquetaires. C'était interdit au collège, on va voler les trois mousquetaires, même toi. Okay. Lui, il prenait le livre et il me le redonnait. Il disait, okay, cache-le et fais-toi pas prendre après je te vois. Non, c'est des gens. Est-ce que pour vous, les filles, les sœurs, c'est la même. Vous pourriez faire le même genre de témoignage? Moi, je pense que oui, parce qu'il y avait beaucoup de dévouement. Puis beaucoup d'organisations au niveau des sports, que ce soit en été, en hiver, parce que nous autres, on avait une patinoire, on jouait même au hockey. C'est là que j'avais mis le hockey. Mais c'est ça, c'est nous autres qui faisaient le déblayage aussi, par exemple, de la patinoire. Mais c'est agréable autant d'une façon que de l'autre. C'était des belles années. Est-ce que vous avez tous eu des religieuses comme enseignantes? Les premières années, juste des religieuses. Les premières années, à Noray, il y avait des sœurs. C'était des sœurs.
En tout, c'est rond, oui, c'est dans la congrégation. Avec nos costumes, c'était les collages qui nous faisaient mal. Là. Ouais, ah, avec les collages plastiques qu'on avait de l'air. On avait des collages plastiques, puis il fallait qu'on les enlevait pour les nettoyer. Oui. Quand ben général venait, on était tous habillés avec notre costume. Oui. Ah, il fallait toujours avoir ça. Les petites mains de même, puis après ça, on avait un uniforme marine. Bleu marin. Puis, tu sais. On mettait ça la semaine, quand il y avait quelque chose. Ça, c'était déjà avec les années. Les autres, ils étaient chez les soeurs d'Assomption. C'est qu'ils sont normalement, la maison mère était à Nicolette. Et puis, c'était à peu près la même chose que eux autres. Dans l'habillement, dans l'ensemble. Moi, je me rappelle, j'ai arrêté l'école, j'avais 14 ans. J'ai eu 14 ans au mois d'avril, puis j'ai arrêté l'école au mois de juin. Mais je montais en 9e année. Dans ce temps-là, tu sais, ça partait à 7, 8, 9. C'était pas comme le secondaire d'aujourd'hui. Hein. Les autres, ils calculaient à 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 11. Moi, j'ai remonté en 10e année. C'était quelle année? 5e année, là, c'est j'avais juste 14 ans. J'étais bonne à l'école, les cousins. Puis vous avez arrêté pour aller travailler? Ben oui. J'ai commencé à travailler à 11 ans. Je travaillais au tabac. À l'honorat, à partout dans ce boulot. Parce que les femmes, là, pour avoir soin des enfants, la vie couche, ça n'a pas besoin d'être secondaire. Non. Puis deuxièmement, moi j'étais à la deuxième, on était 10 chez nous. Ouais. Mon frère Michel, il a 11 ans de différence avec moi, il m'a appelé maman jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai élevé. Ma mère, il fallait qu'elle ferme la porte, là, puis qu'elle cache que le temps que je sorte pour m'en aller à l'école. Tout le temps, j'étais parti broyant. Il broyait tant que je n'étais pas arrivé. Et j'ai cassé des balançoires à le balancer. Là. C'était des gros, gros câbles qu'on mettait dans les portes de garage avec des gros anneaux. Là. Puis j'embarquais le petit sur moi. Là. Puis je le balançais et il chantait des chansons à l'année. Je ne le balancerais plus, il pèse 200 quand même. Il casse les câbles. Oh non, mais tu grossis les anneaux. Mais j'ai cassé des câbles, par exemple. J'ai tombé souvent. Mais le petit, il se faisait vraiment mal. Mais il m'a appelé même jusqu'à 5. C'était le premier gars. On était à 5 filles de suite. C'était le premier gars chez nous. J'ai des frères jumeaux qui ont 3 et demi de différence avec ma fille. Des frères, là. Mm-hmm. Ils ont 3 et demi de différence avec ma fille. Les garçons à l'école, est-ce que vous aviez des costumes? Non. Non. Oui, il y avait les pantalons. Ceux qui allaient au couvent, oui, mais pas nous autres. Non. au collège, les petits gars, il y avait des pantalons gris qui avaient ça. En fait, quand on allait à l'école ici, à l'école de l'infirmière, il n'y avait pas de costume. Mais moi, je l'ai fait seulement mon primaire ici, parce que je suis allé faire mon cours avec les frères, classique au séminaire. Ah oui, exactement. Mais là, il y avait un costume. Donc, il fallait qu'on porte notre petite cravate à tous les jours, notre veston, notre pantalon gris. Oui. Des souliers à se mettre de caoutchouc pour faire le bruit. C'est quoi ça, le juvénat, Bertie? Le juvénat, c'est un. C'est pour les prêtres. Pour ceux qui veulent aller en prêtre. Le séminaire, tu pourrais faire un prêtre. Donc, tu allais au séminaire, ouais. Mais pas nécessairement pour faire un prêtre. Mais au juvénat. Mais au juvénat, c'était pour les prêtres. C'était les clercs Saint-Viateur. Les clercs Saint-Viateur. C'était habitué. C'était le terrain de bout de polyvolante, là. Non, tout à fait. C'était voisin du monastère des Dominicains. Ah, oh, c'est vrai, des Dominicains. Il y a un domaine. Ça existe encore, ça? Non, c'est en fait, le classique, c'était démoli en 1960. C'était démoli en 1974, oui, parce que la majeure partie de ma maison, qui se veut une maison moderne, mais à l'ancienne, elle était toute construite avec les matériaux qui viennent du juvénat. Okay. Les deux de mes frères ont passé par là, au juvénat. Ah ouais. Ils ont pris le temps, puis l'un qui est demeuré est monté plus haut. C'était une façon de payer tes études. Il y en a qui allaient, puis sortaient. C'était le durée du moins, le week-end du moins qui était. Il fallait absolument que tu sois. C'était gratuit si tu rentrais chez ses frères. J'ai appris dans une autre rencontre comme ça que c'était pas gratuit. Mais il y en a qui payaient, ça dépend des maisons, des foyers, par exemple. Moi, chez nous. Tu payes par mois. Parce que, comme je te dis, nous autres, là, mais il y en a qui étaient gratuits, ceux qui avaient une grosse famille, peut-être pauvre, là. Ah, oh, c'est le vicaire qui s'en est. Ça arrangeait, peut-être. Il avait accepté, peut-être, c'était pas gratuit, là. Moi, là, je parle, on était d'eau chez nous. Parce que Jean-Tour était bien parti, parce qu'il a eu une affaire d'entraîneau. Ah, mais c'est cool. Il a rentré, mais.
C'est comme nous autres, après la 7e année, on était comme demi-pensionnaire. On restait pas là, mais il fallait payer. Ah. C'est pour ça que moi, j'ai été retiré de l'école. Mais on avait trop à payer. Hein. C'est parce qu'il y avait on était à Saint-Philippe dessus. Nous, avec les religieux, nous aussi, il fallait payer. Sauf qu'il y avait une école publique à côté. Et moi, je me souviens que ma mère a toujours dit qu'elle se promenait d'une école à l'autre quand ses parents avaient de l'argent. Ben ouais. Elle n'a pas eu pensionné. Puis quand il était un peu plus pauvre, ça passait par l'école publique. Et puis elle, quand elle se rendait à l'école, ben, c'était certain que nous autres, on faisait le cours au complet. Que l'on pensionnait. Non, mais pas nécessairement pensionnaire, là, parce qu'il y avait l'externe. Il y a des années qu'on était pensionnaire, il y a des années qu'on était externe. Quand ils travaillaient à l'extérieur, on était pensionnaire. Je me rappelle que j'entends quand ils faisaient ça, je vais là. Nous, nous autres, on savait pas assez lire, on ramassait tous les journaux. Là, quand mon frère le disait, pendant le temps des fêtes, on faisait tous les journaux, on avait ramassé. Bien, c'est tout. Mais c'est sûr qu'il y avait une sélection, une présélection, là, tu sais. Moi, je me souviens, je réussissais relativement bien à l'école. Fait que il m'a fait venir, le frère directeur, puis les céréales, on a regardé ton cas, on pense que, puis mon père, évidemment, il était journalier, on n'avait pas d'argent, il dit, on pense que tu as la vocation. Oh! Puis, tu sais, il avait regardé mon bulletin, puis j'étais à première classe. Il dit, si tu veux aller au Juvénat, on sait que ton père, vous n'avez pas de grands moyens, on pourrait s'occuper de ça. Donc, tu sais, il prenait en charge. Fait que là, c'est sûr que c'est tentant pour quelqu'un qui a 5-6 enfants, puis qui n'a pas d'argent, il dit, regarde, on va le faire instruire celui-là, puis il ne coûtera pas grand-chose. Mais moi, je ne me sentais pas à vocation, mais gros. Mais, je dis aujourd'hui, mais c'est pas. Tu sais, un enfant de 12, je ne sais pas, j'avais 12 ans à l'époque. Tu sais, là, tu dis, puis à l'époque, il faut comprendre ce que c'était la religion. Là. Ils disent, c'est la vocation. Moi, je me dis, comment ça se fait que ça m'a frappé, ça? Tu sais, je ne voulais pas l'avoir, la vocation. Me ramasser. On savait qu'au séminaire, au séminaire, au Juvénat, là, c'était la discipline, puis. Heureusement, mon père dit, go, tu fais ce que tu veux. Mais, tu sais, j'aurais eu un. Mes parents m'auraient dit, tu es bon, je suis allé. Hein? Ben, t'as sorti, là. Ouais. Hein? Ben oui, j'aurais sorti, mais. Non, non, c'est vrai. Il y en a plusieurs. C'est ce qu'on se disait. Bon, c'est pas grave. Si t'aimes pas ça, tu t'en vas. Mais, tu sais, c'est des méchants choix, là. À 12 ans, là. Tu fais ce qu'il dit. Ben, moi, je m'étais fait tenir un peu le même discours qu'avait Al, mais sauf que moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais un oncle de Joliette qui était médecin. Ah. Puis il a dit à mon père, écoute, je le sais qu'elle a du talent, puis s'il veut aller au séminaire, je vais t'aider. Alors, j'ai pu passer par-dessus le cœur. Ah, parce qu'il y avait du partage de bras. Oui, il y en a toujours. Indirect, puis je les comprends. Il voulait choisir ce qu'il y avait. Ben, je peux dire qu'au séminaire, il y en avait du direct. Ah, direct, quand même. Oui, il nous faisait venir à tour de rôle, là, dans un bureau. Je ne dirais pas le nom du curé qui nous servait. Ah, ouais, nommé, qu'on le sache. René Ferland. Ah, oui. Et puis, il nous disait carrément, là, écoute, là, on sait que. L'appel de l'Esprit Saint qui appelait ça. Si jamais tu nous signes un papier, tu t'engages à devenir père, ben, toutes tes études vont être gratuites. Voilà. Même ton. Lui, il savait tout, hein. Même ton nom, tu n'aurais plus besoin de payer. Là, j'avais dit non, merci. Non, merci. Là, écoute, ben, tu sais, là. Mais c'est, il y en avait du tortage. Ça, c'est pour compenser le petit flattage que j'ai fait avec les yeux. Ça fait une balance. Il y avait du tortage. Il y avait des autorités au-dessus. Là, des bons, il y avait des bons gars, puis il y avait des autorités. Surtout, moi, j'avais dit un peu plus tard, non, moi je veux aller, moi j'ai fait mon cours d'ingénieur, puis je veux aller à Polytechnique. On me dit, l'Université de Montréal, c'est une gang d'athées. Ben toi, il prenait l'Université de Montréal, c'est des athées qu'il y a là. Ben oui. Moi d'ailleurs, quand j'étudiais en littérature, là, j'ai rencontré tous ces athées-là, c'était tous des anciens jésuites. C'est vrai. Tous les profs de littérature à l'époque de l'Université de Montréal étaient c'est des tout. Anciens jésuites. Effectivement. Puis qui avait été jésuite parce qu'à l'époque, c'était la seule façon d'aller faire un doctorat. Un doctorat. Parce qu'il n'y en avait pas de doctorat au Québec qui se faisait à l'époque. Alors, ils pouvaient aller en Europe, au fait de la communauté, ils allaient faire leur doctorat. Ils revenaient ici, défaquaient, puis ils ne devenaient pas faire l'université. Ah,
Les meilleurs profs, d'ailleurs. Ils supportaient toutes ces années-là. Ben oui. Pour étudier. Pour aller faire une doctorat. Puis on sait que les jésuites, c'était un aveugle assisté. Merci. Là. Alors, ils supportaient tout ça pour pouvoir revenir. Puis, mais pour pouvoir ça. Étudier, pour oui. suivre la passion. Mais celui qui n'a pas voulu continuer pour devenir prêtre, il est devenu psychiatre. C'est bien ça. J'en ai pas l'action. Ah ouais. Mais il y en a, ça a fait une explosion. À un moment donné, ça a tout sorti, ce monde-là aussi. Ouais. Tu sais, à un moment donné, dans les années 70, mon frère, c'était un. Mon frère, c'était un classe aviateur. Il n'y avait pas personne qui disait qu'il était parmi ce gang-là. C'était un saint, ils ont dit. Mon frère. Il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Non, non. Parce que, non, mais comment est-ce qu'on a entendu des choses de même pour les aviateurs? Non, il y a eu du monde, partout. Là, on a presque fait le tour. Est-ce que quelqu'un qui a une anecdote en particulier à raconter, qui ne va pas s'en souvenir la semaine prochaine? Mais là, tu ne veux pas qu'on parle de nos objets? Non? Ouais. Ben, okay. Oh, ben là, on t'a inspiré de ça. Ah, okay. Moi, si je regarde ça, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est un petit catch-up. C'est pas bizarre. Non. Non, ça, je l'aurais peut-être compris. C'est un livre de recettes de Jeanne Blanc. Oh, mon Dieu! Ouais, c'est quelque chose. Qui a coûté 50 sous. Oui, mais je suis presque jaloux parce que je le remonterais. Remonter. Ah, oh, la non, c'est une collection, ça. Oui, c'était un homme de collection. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que mes parents me faisaient pas mal dans la cuisine. Mon père, un peu dans le bois aussi. Là. Mais c'était des cuisiniers et puis ça me rappelle les bonnes odeurs qu'il y avait dans la maison. Puis, la popote qu'on pouvait dans bien des familles, il y avait oui. J'ai senti le nez. Moi, j'avais des bons, très bons cuisiniers. Le père était cuisinier. Cuisinier, puis comme je dis, il travaillait aussi dans le bois, il faisait les deux, parce que du côté de ma mère, c'était cuisinier, parce que lui, il a embarqué les mains sur lui, parce que ça coûte 35 ans. C'était... C'est toujours la bonne cuisine, puis faite avec pas grand chose aussi, parce que t'as pas millionnaire, là, disons, déjà, il y a des chances, mais vraiment de la bonne cuisine. Ma mère, ça laisse débrouiller avec pas grand chose. Oh, ben. Le jardinage, l'été, fait. C'était quelque chose. Et vous, Madame Fizet? Ben, j'avais juste le système. La roue du moulin, ah. La côte, je la pensais à mon père, de la cotonie. Ah oui, c'est vrai. Moi, il y a ça qui m'intéresse beaucoup. C'est des choses, hein? Je sais pas si c'est les bonnes histoires. Non, c'est catégique, les bonnes histoires. Non, ça m'a fait appeler tantôt parce que je connaissais pas ce truc-là. C'est sûr, c'est pas une anecdote ce que je dis là, mais c'est rien. C'est parce pas que... l'histoire simple. Non, c'est les bonnes histoires. C'est un recueil de conseils et d'enseignements pratiques pour les petits, pour les grands, sous forme d'anecdotes. Ah, c'est pas une jeune, là. Non. C'est daté de quelle année, là? Pendant ma vie, ça doit être la frère de Jeanne. En quelque part. Moi, j'avais pensé que c'était le petit catéchisme. Oui, c'est ça, hein? Ça vient de Belgique, en tout cas. Oui, mais à l'époque, tous les livres du Québec étaient imprimés en Belgique. Oui. Je me souviens plus quelle raison. Mais c'est des éditeurs de France et de Belgique. Ça m'intrigue beaucoup, ce livre. Oui, ben c'est ça, il y a quand même du vécu. Il n'y a pas d'année? Non. Alors, M. Laporte, c'était vous? Moi, je vous passe mon tour. Je vais vous parler. Puis, il y a beaucoup d'objets que je parle beaucoup facile. Fait que mon temps va en parler. Mais quand on était à l'école primaire, les religieuses avaient tout un petit coffre comme ça pour la sainte enfance. Puis les on a envoyé des petits chinois. Il y avait tout. Moi, j'ai un billet d'autobus. Peut-être un peu plus gros, là, mais ça, ça me rappelle. Ouais. Puis l'autre chose qu'il y avait dans ma boîte, là, c'était les dominos. C'était un des rares jeux qu'on avait chez nous. Dominos. Oui, il était blanc, par exemple. Un des rares jeux. Parce que chez nous, là, c'est pas comme les autres, là. On n'était pas 12, on était 2. Il y avait assez d'ouvrages qu'on n'avait pas le temps de jouer.
Quand il nous lâchait, on se reposait. C'était-tu chez la ferme? Ah, ça se fait, d'accord. Est-ce que vous étiez seulement deux filles? On était deux enfants. Deux enfants. Moi, j'étais l'aînée, puis mon petit frère avait 4 ans plus jeune que moi. On était sur une ferme, puis mes parents étaient très entreprenants, et tout était manuel. Ils pratiquaient, sans le savoir, la simplicité volontaire. Pas parce qu'il n'y avait pas les sous. C'était vraiment la simplicité volontaire. Et puis, tout se faisait à la main, et puis tout était traditionnel, alors on était... Il n'y avait pas besoin de nous attacher. Puis quand c'était l'heure de, du chapelet en famille, là, ben c'était à demi-heure où on se reposait. Mais les gens en ville, c'est pas ça, eux autres, ils avaient le temps de jouer. Moi, je me rappelle, on enviait ça. Les petites filles à l'école qui étaient de mon âge puis qui restaient dans le village, avaient le temps de jouer. Ouais. Mais pas nous autres, on avait de l'ouvrage en maudit. À quelle heure ça commençait le matin? Tout le matin, à 4 heures, et puis, on s'en allait à l'école à pied. Et rien que ça, ça prenait 20 minutes s'en aller, 20 minutes s'en venir. En hiver, mon père venait nous conduire, là, mais quand il pleuvait pas, en temps de neige, on allait à l'école à pied. Puis le travail, c'est le train, tout ça? Ah, c'était des petites tâches qu'on avait qui étaient très régulières et à tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'avais comme, entre autres, l'ouvrage de laver les chaudières et le centrifuge. Mais ça, là, pour moi, c'était long, ça. Puis c'était plat, hein, s'il vous plaît. Alors, j'ai appris à travailler, même si j'aimais pas ça, là. On avait une petite tâche, là. À tous les jours, on se servait du centrifuge, les chaudières, après la traite, il fallait que ça se lave. Puis comme c'était pas des tuyaux, c'était tout à la chaudière, ben il fallait le faire. Puis comme on était juste deux, maman, puis mon père et ma mère n'avaient pas le choix, il fallait qu'on les aide. Explique-nous le centrifuge. Centrifuge, ben, c'était l'appareil qui sépare le lait de la crème. Le lait de la crème, c'est pesant. Alors nous autres, on a utilisé ça. Tout le monde utilisait ça, là. Puis c'était manuel. Non, non, il était à l'électricité. Moi, j'ai eu connaissance juste de l'électricité. J'ai pas connu à la main. Chez nous, l'électricité est arrivée de bonne heure. T'as parce qu'on était sur la grande route, ça fait que les fils ont passé en premier, là. Okay. Et vous, madame? Moi, je regarde la photo, là, c'est une ferme, une maison, puis je me dis, la ferme, les années 50, la religion, puis l'école, c'était très... La famille, c'était très sévère, puis la religion, tu sais, ça marchait un petit peu ensemble. Puis je me dis, là, il fallait aller à la messe le dimanche. Mais, dans la voiture, là, il n'en rentrait pas plus qu'il en fallait. Fait qu'une semaine, c'était une gang, puis l'autre semaine, c'était l'autre gang. Fait que c'était de même, parce que c'était quand même à 7000, pour parler en 1000, là, de Joliette, là, Joliette à Saint-Ambroise, pas Joliette, mais du village à Saint-Ambroise, c'était quand même. Fait qu'on allait chacun son tour. Puis ça me rappelle un souvenir, quand un jour de l'an, 51, le premier jour de l'an qu'on est arrivé à Joliette, c'était 50 sous le taxi pour aller chez grand-père. Puis ça prenait 3 taxis. On était 14. Fait que l'autobus Goudreau, dans le temps, qui était ici, à un moment donné, c'était 1,5 commençait. Il y avait pas... C'était 1,5. Fait que papa, il s'est dit, on embarque tous dans l'autobus, c'est le même prix, puis on va arriver tous ensemble chez grand-papa au-delà. On est tous arrivés ensemble dans l'autobus. Fait que, au lieu de prendre 3 taxis, puis l'autobus. Ça me rappelait des souvenirs. Ça, il y a des beaux souvenirs de rattacher sur la campagne. Moi, j'étais plus jeune, fait que je n'ai pas travaillé fort. Je m'amusais à faire l'équitation sur d'autres cochons, fait que rappelez-vous, là. Tu des petits cochonnets, là, tu sais. Tu faisais quick, quick, quick. Mais nous autres, on a appris que si tu ne voulais pas travailler dur comme ça, tu étais mieux d'aller à l'école, puis d'aimer ça, puis de travailler. Ça, on a appris ça. Ouais. Moi, j'étais côté, fait que, tu sais. J'étais encore côté. Alors, est-ce que vous voulez parler des objets dans la boîte? Et les dominos. Dominos, tu sais. Une lunette. Le domino, mais on voit aux dames aussi. Une prochaine machine à coudre. Ah oui, la soupe. Parce que le jeune dame est devenue plus grande. Elle est les coffres de la chambre. Qu'est-ce qu'il te dit, ça te rappelle du souvenir, ça? Oui, ça me rappelle. Qu'est-ce que ça me rappelle, cette... Ça va après les vasinettes. Hein? Dans notre temps, quand les enfants étaient jeunes, dans une roulette. Oh, oui, oui, oui. On prend ça dans le dîme, là, puis... Hey! Qu'est-ce que c'est ça?
Tous les meubles. Tu pensais que c'était une mentille, tu sais? Ça, c'était à pour le mettre après les polissons, du porcelage. Dans ça, c'est l'âge. Il y avait une autre affaire. Ça, c'est une étiquette du planétarium de Montréal. En effet. En 1968. Savez-vous comment ça coûtait pour aller là? Non. 2,15$. C'était cher. Pour aller au planétarium de Montréal. Puis j'ai une étiquette d'autobus scolaire 6 cernes. C'est encore bon? Tu connais la différence. Moi, il ne marque pas la. J'en ai une étiquette. Il marque l'heure, par exemple. C'est marqué collier. De 7h à 7h. Il y a bien d'autres affaires, il y a des clochettes. Je ne sais pas après quoi qu'on va. Un petit grelot, on dirait. Un petit grelot, mais je ne sais pas si c'est un autre. Moi, j'en ai là.